centre. C'était à destination de Bradley. On va repartir de l'autre côté, je vous le disais, avec ce Cancellieri qui est un dribbleur fou et qui peut ouvrir sur Nianto. Pero que le encuentro un trozo. La double peine, on va peut-être en avoir une quand ouais, même. Oui, ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Hein. On ne sait pas encore. Hein. Il a reculé un peu le ballon, Miretti. Encore un petit peu pour se donner un peu plus de distance. Il veut faire retomber ce ballon. Donc là, il n'y a pas de doute, il va frapper directement. Changement, Simakan va entrer en jeu. C'est... Koné. Manu Koné qui sort. On va mettre Simakan qui... entrer en jeu il y a peu de temps, mais c'était presque un peu plus la logique plutôt que de faire sortir un Manu Koné qui est d'une activité débordante et qui est extrêmement important dans le milieu de terrain. Ouais, mais là il veut carrément un vrai défenseur, je pense. Oui, 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 non, mais pourquoi sortir Manu Koné? Parce que ça peut peut-être lui permettre de garder un peu de jus devant pour un ou deux contre. Ok, on a l'explication, merci Patrice. Ça va bien passer. Miretti, le milieu de terrain de la Juve. Non, c'est au-dessus. Tremble pas sur la lecture des trajectoires. Vous avez vu Lucas Chevalier? Oh, mais encore là, au moins il s'est... Sandro Tonali avec Bellanova. Devant lui Miretti, la talonnade de Miretti dans la course de Bellanova pour le centre. Au deuxième poteau, Wilfried Nianto face à Cherki. Il enchaîne avec la frappe. Oh là là, il manque sa reprise, Cancellieri.
ça passe au-dessus du cadre, un miracle pour les Bleus. Ouais, parce que là, pour le coup, Chevalier n'avait plus qu'à repousser, parce que la frappe, elle est puissante. Là, il était en jeu, Miretti, quand même. De Nyonto, voilà, il va récupérer ce ballon-là. Il a placé l'accélération, la frappe puissante. Heureusement, Chevalier, mais là, il ne peut que le repousser, ce ballon. Ouais, c'est un bon couloir. Surpris quand j'ai tiré. Bah, bien sûr. L'entrée en jeu. Tête de Kalulu, pas très très bon ce coup de tête. Récupéré par Parisi. Ouais, pas de faute surtout. Ouais, Parisi qui réussit ses dribbles. Parisi met ce ballon en retrait. C'est corner. Quelle entrée en matière là pour Fabio Parisi. Ouais, il a surpris tout le monde là, avec ce dribble en pivot. Et encore un corner italien, le cinquième dans cette deuxième période. Et à chaque fois sur ces coups de pied arrêtés, évidemment ces grosses chaleurs, grosses sueurs devant le but de Lucas Chevalier, qui manque un peu sa sortie, pas de coup de sifflet, et qui voit ce ballon lui arriver dans les bras finalement, Lucas Chevalier. Il n'est vraiment pas décidé à siffler des fautes, c'est incroyable. La Chevalier, il est quand même un petit peu bousculé dans le dos là, il y a beaucoup d'arbitres qui auraient sifflé. Oui, il est balancé, tout simplement. Chevalier, bien sûr. Cinq minutes de temps additionnel. La France est à 10 contre 11 depuis quelques instants. L'exclusion de Loïc Badé et l'Italie qui pousse pour tenter d'égaliser. Occoli avec Scalvini. Sandro Tonali. Occoli, Scalvini. Parisi. Devant lui, Wilfried Nyonto, Parisi qui réclame encore dans le dos de Kalulu. Peut centrer Fabio Parisi. Le coup de tête, Bellanova. Ce ballon qui n'a pas franchi la ligne. Du bas ventre. C'est ce qu'a dit l'arbitre Allard, Lindout. On va revoir, il y a confusion sur cette action, sur ce mouvement. Il a mis la main à la poche, il a sorti le carton, il y a eu protestation. Protestation virulente de Nyonto qui va prendre un avertissement. Mais les Italiens en rage là, on va revoir ça précisément. Ouais, le centre ici, il arrive par derrière. Oh, il y a but sur coup. Il est rentré, je pense. Ah, mais je pense qu'il est rentré. Alors, il n'y a pas la goal line technique non plus. Ça, le ballon à la tête décroisée, il est à l'intérieur du but. Si. Alors, il n'y a pas main, mais en revanche, le ballon semble avoir franchi complètement la ligne.
Loukeba a sorti ce ballon, pas de la main, là l'arbitre a raison. En revanche, bah, il manque la technologie quand même, parce que si là, devant l'écran, il y a des supporters des Azzurrini, des supporters italiens qui étaient réticents quant à l'arbitrage vidéo jusqu'à maintenant, eh bien ils doivent aujourd'hui regretter que la technologie ne vienne pas en aide à Alart Lindout, qui a eu un arbitrage, on va dire, un peu singulier, très personnel. Oui, en tout cas, avec énormément de liberté, très, très peu de... Pas du tout un arbitrage sévère, hein, on pourra dire ce terme-là. Ah, s'ils perdent les Italiens, ils pourront être frustrés et avoir des regrets. Parce que, au regard de la rencontre, un match nul aurait été quand même beaucoup plus logique, incontestablement. Et sans oublier les... Qué tal.